Bonjour, je m'appelle Yves Lesault, je suis le directeur du diocèse de la Sarthe, filiale de la plus vieille start-up de l'histoire, l'Église. Je suis ici aujourd'hui car nous avons besoin de vous pour la construction de notre nouveau centre diocésain. Ce projet est un projet collectif. Laissez-moi vous présenter mon équipe. Nagua, notre comptable. Régis, notre responsable communication. Adrien, notre assistant de direction. Karine, notre chef de projet. Et Sœur Armel, notre stagiaire. Pourquoi ce projet ? Aujourd'hui, l'ensemble des services du diocèse sont dispersés sur l'ensemble du territoire de la Sarthe. Le projet de la maison Saint-Julien a pour objectif de regrouper ces services, de manifester une plus grande cohésion, une plus grande proximité des membres de l'Église catholique. Arrêtons ce suspense. Donc voici la nouvelle maison Saint-Julien, accueillante, moderne, chaleureuse, pas mal, n'est-ce pas ? Donc dans ce nouveau centre va d'abord être construit au cœur du bâtiment une chapelle. Nous accueillerons la librairie Siloé ainsi que les locaux de la radio RCF. Une salle de restauration, une grande salle de conférence et un immense parking facile d'accès pour tous. Donc seront regroupés dans un seul lieu l'ensemble des services du diocèse, la catéchèse, le catéchuménat, le pôle jeune et aussi la direction de l'enseignement catholique. Pour que ce projet voie le jour, nous avons besoin de vous, croyants, pratiquant ou non. Pour l'aménagement intérieur de ce bâtiment, nous cherchons 500 000 euros. 500 000 ? Mais vous avez un plan ? Parce que l'Église est une start-up, nous avons mis en place une plateforme de crowdfunding. De crowd quoi ? Du crowdfunding, au fond, l'Église en fait depuis des siècles, puisqu'elle vit depuis toujours à partir des dons. Du crowdfunding, il s'agit de financement participatif. Pour faire un don, vous connectez sur notre site opérationmaisonsaintjulien.fr. Vous cliquez sur soutenir le projet. Vous choisissez l'élément que vous souhaitez financer. Par exemple, pour une chaise, 50 euros. Un vidéoprojecteur, 100 euros. Un vitrail, 500 euros. Il est aussi possible, si vous le souhaitez, de choisir le montant précis de votre don en cliquant sur montant libre. Notre maison Saint-Julien ne va pas se construire et se financer avec de l'argent tombé du ciel. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos dons. Pour nous aider, rejoignez-nous sur le site opérationmaisonsaintjulien.fr. Bonjour. Non, c'était avant ça. Elle est pas mal, ma maison. Nous avons mis en place une plateforme de crowdfunding. De crowdfunding. Non, ça va ? Bah, vous avez trouvé là-dedans. Do you still
Alors, nous allons voir maintenant Éléonore parler du festival dans le 14e arrondissement de Paris. C'est dans la liste à Brive. Éléonore. Super. C'est le festival Wake Up to Paradise. Ça va? Mais oui. Mais c'est trop cool comme ça. Tu disais qu'on avait envie de revoir les gens qui avaient participé au festival. Bah après le festival, j'ai voulu garder un lien avec la communauté du 9 que je ne connaissais pas avant. Du coup, je suis au groupe de prière du mardi soir. Enfin, j'ai retrouvé des gens que j'avais rencontrés au festival et c'est absolument génial parce que ça me permet de garder un lien avec le Seigneur. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté ce festival. Ça m'a rapproché de ma foi, de ma religion. Il y a un truc particulièrement que tu as aimé? L'accompagnement spirituel. Top, ouais. Tip top. T'as été accompagnée? Ouais. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'était de voir tous ces jeunes qui avaient vraiment la joie de vivre. Et ça, c'était fort. Quoi. Ouais. Et maintenant, je suis dans cette nouvelle coloc où j'ai découvert des filles super. Et ouais, on fait notre petite prière de soir ensemble. Ouais. Voilà. Mais vous pouvez venir ou pas? C'est grave, c'est grave. Ah, c'est glacier. Oh, yeah, yeah. Tu peux l'aider? Moi, je suis tenue à protéger la vie. Oh, yeah, yeah. Merci, Seigneur. Bon, mais à bientôt alors. Oui, non. Moi, je me bats pour devenir quelqu'un.